personne ne meurt. L'un ou l'autre devait mourir, oui. Après, est-ce que l'autre serait mort? On n'a pas vu parce qu'en soi, il Il faut pouvait. trouver la petite. En fait, j'ai peut-être fait le Nous mauvais devons choix, les l'arrêter. gars. Je suis sûr qu'on tardera pas à la Parce que non, revoir. j'aurais peut-être eu le temps de le sauver. C'est peut-être dingue, mais. Et si sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver, nous aussi? Je n'ai été attaqué qu'après la mort. Des lucioles. C'est de là que vient la lumière. Oh putain. Je trouve Ça ça me plutôt joli. saoule. Pas vous? Je voulais que C'est un peu personne ne bizarre. meure. Navré de vous importuner à cette heure tardive, mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vue sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts, Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir, je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Ouais, pas pour Marie cette fois. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté. Une prochaine. On essaiera. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Donc ça, c'est Andrew. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce qu'elle a fait. Comme vous l'a dit votre ami. Le diable vous envoie pour me tenter. Je ne succomberai pas. Merde. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante. Vous. Ça me tue comment il parle. Qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant je condamne une enfant. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. Tu déconnes! Faut qu'on arrête la gamine. Il n'y a pas d'autre solution. Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. Merde. Mais c'est vrai. T'as déconné, sérieux? En défendant la gamine, tu nous as sûrement tous condamnés. J'espère que non. Sinon, ça craint. Non, moi, j'aurais juste voulu qu'il accuse... Vous avez pu parler à Marie de... Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Merde. Et j'ai tué quelqu'un, merde. Allons voir ça. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. Il est long quand même le jeu, il est un peu plus long que le premier, hein. Mine de rien. Je ne sais pas si je veux savoir, mais qu'est-ce que vous avez vu là-bas? On a vu le double d'Andrew, Abraham. Il avait l'intention de témoigner contre Marie. Mais Andrew, le boy scout, l'a dissuadé. L'idée était bonne. Oh, dites-moi que je rêve. Pas la scène de sorcière.
Je crois que ça gueule un peu chez moi, je suis désolée. Hein. Ils savent pas parler correctement sans crier. C'est un peu dur. Quoi que nous ayons vu là-bas, ou cru avoir vu, nous sommes toujours en danger. La seule façon de sortir de ce cauchemar, c'est d'arrêter Marie et tous ses mensonges. C'était ta chance de leur montrer le vrai visage de Marie. Une peste manipulatrice. De la mettre sur le banc des accusés. Qu'est-ce qui t'a pris? On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. On n'aura qu'une seule chance. Mais ça aura peut-être tué Andrew. Terminé. C'est le problème. Alors je suis prête à faire ce qu'il faut. Allez, on va voir. Je pense que si on aurait témoigné contre Marie, ça aurait tué Andrew. Enfin, le double, quoi. Vous m'avez compris. Petit indice. Merde. Ah bah là, il meurt, lui. Hein. Si je le sauve pas, il meurt. Merde. Fichier Excel. Donc ça veut dire qu'il va forcément mourir, son double. Le maire salue la transaction immobilière. Les protestations risquent de s'intensifier à l'approche de la fermeture. Je pense pas qu'on va trop tarder ce soir, les gars, parce que je suis vraiment fatiguée. Je suis désolée. Carver, tu vois? Carver à la mairie. 666 pour notre future prospérité, Samuel Carver. C'est ça, hein. C'est lui le diable. Et il contrôle la gamine. La gamine, elle veut juste nous faire un signe. Fais voir ça. Ouh, là, là, putain, c'est dur, hein. Ce type est dangereux. Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Allez, entrez! Eh ben, personne n'est venu là depuis longtemps. J'ai peur, moi. À mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon n'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duperie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph fraillait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Wyman? Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place, révérend?
Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité, si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Allez-vous-en. Abraham! Que suis-je censé faire? On m'exhorte à dénoncer Marie, mais une jeune enfant est-elle vraiment capable d'être vile? Là, c'est le problème. C'est pas facile, bien sûr. Je dis pas le contraire. Marie n'est qu'une gosse. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout. Marie a parlé de mauvais esprits, de diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie est tourmentée. Les apparitions dont elle fut témoin l'ont durement marquée, privée de son innocence. Certains pensent qu'elle est alliée à ces créatures, mais nul n'en est certain. Il ne le saura donc jamais. Peut-on vraiment comprendre l'esprit d'une enfant ? Doutez-vous que je sache discerner le vrai du faux ? Loin de moi cette idée. Je vous en demande pardon, votre honneur. Je n'ai pas de temps à perdre. Le prêtre et vous m'avez suffisamment irrité. Je n'ai pas terminé. Je vous ai déjà accordé trop de temps. Par ailleurs, Marie sera remise aux bons soins du révérend Carver. Veuillez disposer. Putain. Ça n'a pas fonctionné. J'étais sûr. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew ? Il a dit au juge que Marie n'avait rien fait, que c'était qu'une victime. Oh, bon sang, c'est une catastrophe ! Merde ! Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis pas certain d'avoir bien fait. C'est ma faute. Enfin, au moins, on sait qu'on peut influencer les choses. C'est quand même une bonne nouvelle, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça s'est bien passé comme ça. Ouais. On l'espère, surtout. C'est quoi ça ? Il faut y aller. Ne restons pas là. C'est eux. Ils sont de retour. Attends, il y avait un tableau. Regardez ces tenues. Ça a dû fermer il y a super longtemps. Les années bénies de mon enfance. Tout était encore possible. Il y a forcément une autre issue. Mais maintenant, t'es toute seule. In memoriae. In memory of James Clark. Regretté par de nombreux amis au collège. Et collègues, pardon. Allez vous faire foutre. Alors, monsieur Vincent Barnes, lettre d'avertissement. Suite à nos récents entretiens disciplinaires, je vous écris au sujet de vos problèmes d'assiduité de votre comportement. La direction a fait tout son possible pour s'adapter aux circonstances difficiles que vous rencontrez à vos blessures récentes en acceptant vos absences régulières. Cependant, les mises en garde répétées relatives à votre manque d'assiduité, vos retards et vos états d'ébriété nous ont incités à vous faire parvenir cet avertissement officiel. Tout comportement similaire ou inapproprié au cours des 12 prochains mois entraînera votre licenciement. Ravedan
Ravendon tient à ce que ses employés soient enthousiastes, ponctuels et sobres. Ah, on ne sait pas qui a signé du coup. Vous devez accuser réception de cette lettre. Signez-le et renvoyez-le au bureau. Ok, d'accord. Du contre-merde sous 7 jours. Donc, du coup, il a signé et puis voilà. J'ai du mal à lire ce soir, je suis désolée. Un peu fatiguée et puis. C'est dur de lire après avoir bien bossé. Mais prends. Petite photo de famille. Viens par ici. Regarde ça. C'est du pur délire. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. D'abord, des sortes de chasseurs de sorcières venus du passé sont nos sosies. Maintenant, on a droit à la famille la plus... Et eux aussi, ils nous ressemblent. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies? Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé? Peut-être qu'on est coincé dans le même cauchemar. T'as vraiment envie d'un souvenir? De cette nuit? De ce lieu? Pour l'instant, je vais garder ça sur moi. Ça peut toujours servir. Quand tu dis que tout ça, c'est un cauchemar, tu le penses? Si c'est mon cauchemar, qu'est-ce que vous faites tous dedans? On pourrait tous dire la même chose. Je sais pas ce qui est réel. T'es le vrai Andrew, toi? Arrête. Très drôle. Usine de Little Hope va fermer. Des centaines de licenciements vont tuer la ville. Près de 600 emplois devraient être supprimés à Little Hope quand l'usine de textile Ravendon fermera ses portes sur le site de Harvard Road en septembre. Cela concerne les ouvriers de l'usine principale et les établissements secondaires dans toute la ville. La décision a été annoncée mardi par Hazel Carver, directrice de l'entreprise familiale, qui est le principal employeur de la ville depuis 160 ans. C'est avec une grande tristesse que nous avons pris cette décision. Nous considérons les employés de l'usine comme des membres de notre famille et nous savons combien Ravendon compte pour eux. Cependant, nous ne pouvons plus continuer à faire fonctionner l'entreprise. Illisible. Dialogue à la famille Carver. Mais si les filles ont écouté les idées du syndicat pour sauver l'usine, le maire Carvel les a rejetées les uns après les autres. Nous voulons un partenariat avec la famille afin de sauver l'entreprise et nos emplois, mais on dirait que le maire ne veut pas s'associer, a déclaré McCarthy. Un autre syndicaliste qui souhaite garder l'anonymat a exprimé son. Un autre syndicaliste qui souhaite garder son anonymat a exprimé son amertume. Tout ça, c'est à cause du terrain. Les Carver possèdent la ville depuis des générations. S'ils ne peuvent pas tirer profit du terrain, ils fermeront tous. L'usine était la principale source de revenus pour la plupart des familles de la ville. Nombreux sont ceux qui redoutent l'avenir. La fermeture de l'usine va tuer la ville, a déclaré l'un des employés au Herald, avant d'ajouter nous savons jamais la suite. Fariman, on recherche ses conducteurs de bus. Formation assurée, tenue fournie. Ah, donc le conducteur de bus, peut-être qu'on a un petit truc sur lui. Si ça se trouve, on fait tout pour. On fait tous un rêve. Et qu'Alan est vraiment en train. Elle n'est pas vraiment en train de jouer. Mais en fait, ça se trouve. Je suis déjà en train de dormir. Et en fait, voilà. C'est ça, maybe. Je suis encore en train de dormir. Oh, c'est le juge.
Samuel Noche. Après avoir lu la lettre du capitaine Bond attestant de l'affaire de Little Hope et après avoir entendu les demandes des habitants, je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude. Les renseignements du révérend Carver s'écartent de la véritable doctrine de la piété. Son esprit a quitté les figures des saints pour s'aventurer dans le péché depuis plusieurs années. Méfiez-vous de ces comportements passés qui salissent et corrompent la ville. Je demande qu'une commission soit nommée afin d'examiner les affaires de l'année passée, notamment celle de l'enfant. Par contre, tu es ultra réaliste si on rêve. T'as vu ça? Et j'ai même une voix différente, t'imagines? On parle d'habitude, c'est à cause de ça d'ailleurs. Vous m'avez repéré à cause de ça. Merde, fais chier. Mais je fais toutes les salles, je suis à fond là. Factory closure. Fermeture de l'usine. L'usine a été fermée suite à la liquidation de Little Hope Textile. Après plusieurs incidents ayant eu lieu à sa fermeture, l'usine a été condamnée. Toute tentative de pénétrer dans les lieux considérés comme un délit. Les anciens employés souhaitent récupérer les affaires officielles, ils peuvent vous contacter au machin truc, machin chose. Oh putain, j'ai eu un bad. Rien de grave. Il y a une porte ici. Au cas où, ça peut toujours servir. Redragon. Oh putain. Oh non. Aïe. Ça y est, c'est fini. C'est dur la vie, hein. C'est l'amoureux de la... Qu'est-ce qui s'est passé? Tania. Elle l'a quitté pour un autre mec? Vince. Non, elle est morte. Elle a crevé, mon gars. Attends. C'est qui ces gens sur la photo? C'est pas drôle. C'est quoi ce bruit? Bonne nuit. Juste en dessous de nous. Merci, bonne nuit. Il faut trouver un moyen de sortir. C'est vite. Drôle, tu vas bien, Ryan? Elle est lourde. Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Tu prends ce côté et je prends l'autre. On pousse ensemble. Bon. Et... pousse! Bien, oh, bien, le plancher. Mais ils sont doubles. Génial. Allez. C'est pas le bon bail, c'est pas le bon bail. C'est lui qui a lâché. Ça,
Ça le défonce, ça le défonce. C'est quoi son cul à votre avis? Daniel, t'es toujours là? Daniel! Partons avant qu'autre chose n'arrive. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, j'aurais dû attaquer. Je me suis dit, on va le tirer, mais je pensais qu'avec les mains, ça marchait. Mais du coup, non. J'ai foiré. Enfin, j'ai pas fait le meilleur choix. Non, non, il est pas mort. Mais du coup, il est tout seul, quoi. Daniel, tu es là ? Merde. Tu vois Daniel dehors ? Non. Faut croire qu'il est pas là. Ok, on continue. Encore des groupes Daniel de 1. Daniel s'en sortira. Il nous rejoindra. J'évite d'être individualiste, mais... Daniel ! Tout va bien ? T'as une meilleure lampe, attends, Daniel, je te suis. Réponds, je t'en prie ! Daniel ? Daniel, where are you ? Où t'es passé ? Andrew ! Hey ! Eh oh ! Eh oh ! Je suis là-haut ! Oh, je suis trop content de vous voir. Au moins, je ne suis plus la seule qui ressemble à rien. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me reçois? Eh oh! Non, pas vu. Quel beau logo! Tiens, là-bas, la petite. Bonne nuit, Dragon! Vous avez vu ? Ça peut être dangereux. Soyons vigilants. Tous à Little Hope seront en danger tant que vous serez en vie, Joseph. Vous devez mourir. Même Amy, votre épouse, n'a pu échapper à votre amour pour Satan. Maudissez-moi donc. Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse. Vous résistez encore. Je dois chasser le démon pour protéger la population. Non ! Vous faites erreur ! Joseph, renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché. Je ne suis pas un disciple du démon. Notre ville succombe à la folie à cause de la main de Satan. Marie. Il faut qu'on réagisse. Laissez-moi. Donne-moi donc ça. Voyez. Voyez comme on torture cet enfant. Joseph la tourmente avec l'aide du démon. Des pierres. Il faut écraser le démon en lui. Oh non. Ayez du courage. De vous dépend l'avenir de notre ville. Non.
vouloir le faire, il va devoir se faire courir après. C'est foutu. On sortira jamais de ce cauchemar. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Pourquoi faire ? Jack ! Qu'est-ce que vous faites ? Ces choses ne nous lâcheront jamais ! On sait ce qu'elles ont fait à Taylor. Ça ne m'arrivera pas à moi. Vous êtes malade ? Il faut partir ! Merde. À la cour. Putain, il est génial. Faut aller l'aider, faut aller l'aider. Il n'abandonne personne. Oh non, j'aime pas du tout. Marton pilon. Si ça s'ouvre, quand on veut. Merde. Personne n'est mort. On est seul dans ce monde du diable, mais jamais de la vie. Même. Quel cauchemar. Faut qu'on parte tout de suite. Ah ouais, il avait la dalle. Je ne le vois plus nulle part. Il a toujours la dalle. Il voulait un jambon, il m'a effectivement. Où avons-nous encore atterri ? La maison a brûlé, on dirait. Oh, on est dans la maison de... Sans blague. Rien de ici, la petite. La maison du début. Non. Là, notre indice. C'est qui elle? C'est qui elle? Qui c'est cette personne? Mais... Bon. On verra bien le moment venu. Oh putain, il y a toujours la balançoire. Merde. Moi je veux qu'Andrew y survive. Allez là.
Elle va à l'étage. James et Anne. Ouais, c'est eux, hein. J'ai trouvé un truc bizarre. J'aurais épousé Angela. Tout ça est de plus en plus dingue. Bah, épousez-vous aussi dans la vraie vie. Allez-y, je vous regarde. On va chanter du Johnny dans 5 minutes. Allumez le feu. Allumez le feu. Il va grandir. Les diables et les dieux. Mais elle s'est fait clairement manipuler par le chétan. C'est un drôme à l'œil, ça. Ouais. Mais il y a la lumière. Il n'y a plus de lumière. Revient à la charge. Mais enlève-lui tous les pics, il pourra plus marcher comme ça. Et la clé. Pardon, désolé. Et la clé. La clé! Prends la clé! Non, d'accord, ok. On peut prendre la clé. Lettre du révérend Carson. Révérend Léonard Carson. Chère Anne, merci pour votre lettre au sujet de Meghan. Je comprends vos inquiétudes et vous assure que le comportement rebelle de votre fille n'a rien d'inhabituel. J'ai aidé des parents confrontés au même problème et je serai ravie de vous aider à mettre Meghan sur le droit chemin. Un passage lu verset 11 du chapitre 12 des Hébreux dit que toute mesure de discipline nous semble douloureuse. Mais qu'ultérieurement, elle apporte la paix. Venez me voir après l'office de dimanche, afin de que nous convenions d'une heure pour une séance personnelle. Oh, c'est terrible. Une sanction. Ah. Reconnecter une manette. Ah, bah c'est un peu déconnecté. Hip. Hip la manette. Rien de grave. Juste un peu débranché. Elle est à l'étage. Tu entends ? Ce bruit. C'est sûrement la petite. Faut qu'on la trouve. Elle est là. Reste là. J'aime pas ça. Je sais que je voulais dire la vérité au juge. Oh non. Protégerez-vous. Par pitié. C'est pas normal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Tous unis, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assure.
La cour s'est réunie diligemment, car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous, révérend? Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Non mais mec... Cet enfant nous a tous tué, mystifiés t'as tué avec des, son voile des... d'innocence. Ils ont tué cette des... Cette poupée des a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait, et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux, sans dire un mot. Ce n'est pas vrai, menteur. Voilà que cette jeune furie... Cette créature de Satan a l'audace de m'accuser, moi, l'homme de Dieu, de faire le mal. C'est lui. Quoi qu'elle dise ou fasse, méfie-toi de ces petits airs innocents. Ce n'est qu'une enfant, mais elle a de mauvaises intentions. Elle est malveillante. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à notre vie. Où est son peuple? Allez-vous m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Si je pouvais les arrêter, je le ferais. Mais... Alors qu'elle se trouve au pied du mur, cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide Attendez. De son maître. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie. Elle donnez-moi pas... un conseil. Il faut qu'on réagisse. Je comprends plus. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Je pense que c'est Carver, le prêtre fait tuer tout le monde depuis Quelqu'un le début, mais c'est ça. Et elle, c'est le bon prétexte. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. Taisez-vous donc. C'est lui le qui responsable. Qui comptez-vous duper ainsi? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. C'est vrai. Écoutez ce que dit Andrew. Carver est coupable. Que dois-je faire pour ramener Little Hope sur le droit chemin? Je crains. Ce dont il est capable. Je pense qu'il faut détruire la fichue poupée. Si elle est vraiment maléfique, détruisez la poupée. Vous en serez libéré. Le révérend a vu juste concernant la poupée. C'est bien elle qui a ensorcelé Marie. Brûlez-la, et la fillette sera sauvée, libérée de son emprise. Ou alors elle brûlera. Si la poupée tient vraiment Marie sous son emprise, alors détruisons-la. Pour voir si l'enfant s'en trouve délivré. Révérend, brûlez la poupée, sur le champ. N'agissons pas en hâte. Cet enfant doit affronter les conséquences Mes de ses actes. Mes décisions ne sont pas à débattre. Veuillez procéder. Je crois que j'ai réussi. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute. Putain, merde. Le prêtre démoniaque! Tuer tous les prêtres qui existent. Pardon. Est-ce que c'est fini? Je me suis bien planté. La petite ne méritait pas ça. Tu as pris la bonne décision. Tu ne pouvais pas anticiper ce qui s'est passé. Ne restons pas ici. Donc non, c'est pas le prêtre, du coup, c'est la petite. Ça va? Tout va bien? Cette gamine ne nous causera plus d'ennui. C'est terminé. Attends, j'ai pas compris. La poupée, elle a pas pu être brûlée puisque le machin est tombé. Mais la faute à qui? La faute au prêtre ou la faute à la petite? Et pourquoi la petite peut plus nous... nous embêter? Hey! Oh, c'est Vince. Je suis désolé. Je sais que c'est pas votre faute.
On a traversé de vraies épreuves ces dernières années. À 800 mètres, il y a un resto avec un téléphone. Appelez à l'aide, allez vous en d'ici. Et ne revenez plus jamais. Vous n'avez plus rien à y faire. Oh, le trader, Wolfie. On est sur Seven's Day. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé ce soir. T'as pas fini. Pas, je continue ta phrase. On a tous vécu une nuit abominable. Mais pas autant que toi. Ouais, mise gros poumon. Ça me hantera toute ma vie. Sois pas trop dur avec toi-même. On a tous vécu un enfer. On va enfin sortir de ce trou. J'aurais voulu qu'on s'en sorte tous. Le chauffeur. Anthony, c'est le chauffeur. Celui qui a vu sa famille mourir. Le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Voilà pourquoi. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Putain, mais on était dans sa tête depuis le début. Vous pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. En même temps, il a vu toute sa famille mourir devant ses yeux. Bonsoir. Vous allez bien? Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein? Vous l'avez vu? Ouais, très marrant. Oh, c'est pour ça... Vous avez besoin de leur montant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Si vous pouviez nous aider, faire quoi que ce soit... Bah attends, attends. Ça se trouve, la chute sera mieux. Arrêtez de dire non. Ah, c'est vrai que c'est dommage, oui. J'aurais pas vu ça comme ça, la fin. Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Fichez le camp! Pas avant de vous avoir vu en face. Alors ouvrez-moi! Ça se trouve, en fait, enfin, vite, c'était vraiment une personne bien intentionnée. Hein. Un grave danger. En fait, dans sa tête, il était encore gosse, quoi. Alors ça se trouve, c'est une des fins, ça se trouve, en fait, je suis tombée sur une fin. Et que toutes les fins ne ressemblent pas à ça, Wolfie aussi. Hein. Si les personnes n'existent pas, on ne peut pas les voir mourir, c'est triste. Donc personne n'est mort. Voilà, c'est terminé, fini. Pour l'instant, du moins. Vous pouvez toujours réessayer, tenter de faire différemment. Impressionnant, presque sans un accroc. Presque, oui. Et enfin, vous avez fini ouais, c'est vrai. Par le trouver.
Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter, mine de rien. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. On aurait pu s'en douter. Nous nous reverrons un jour. Peut-être dans le désert d'Arabie. Peut-être en d'autres lieux. Mais nous nous reverrons. Ben, j'espère. Au moins encore une fois. Alors, c'est vrai que c'est dommage. J'aurais pas aimé une fin comme ça. Même si dans beaucoup de jeux d'horreur, on était en mode « Ouais, ça se trouve, en fait, c'est un rêve » ou tout ça. En fait, mine de rien, la chute est grande parce qu'on s'y attend pas, tu vois. Tu te dis pas que ça, la chute va être ça, en fin de compte. Alors que dans plein de jeux, tu te dis « Oh, la chute, ça va être ça. » Alors que, bah non, et que là, du coup, tu vois, c'est ça. Combien de fois dans chaque jeu, j'ai dit « Et là, ça se trouve, tout ça est un rêve. » C'est un peu ça, en fait, du coup. Aïe aïe aïe. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter depuis le début, mine de rien. Parce que tous les personnages se ressemblaient, ça devait pas être pour à rien en fait. Bon, sinon il est pas mauvais, excepté la fin, qui est un peu décevante. La fin est un tout petit peu décevante, mais excepté ça, il n'est pas mauvais. Il y a une bonne ambiance, les mécaniques de gameplay, je les ai bien aimées par rapport au premier. Bon, le premier était bien aussi, hein, le Man of Medan, on parle bien. Même si, pareil pour Until Dawn, en théorie, tout est bien aussi. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait, genre, tu sais, tous les combats et tout ça qu'il y avait, et même les QTE et les phases d'action étaient vraiment bien tournées. Mais ouais, la fin est dommage. La fin est vraiment dommage. Après, si on oublie la fin, en soi, le jeu est beau. J'aime bien. Mais c'est vrai que la chute est grande. La chute est grande. Tu t'y attends pas. Et je pense que là, il va être beaucoup critiqué pour ça. Mais bon, bon, c'est comme ça. Si les personnes n'existent pas... qu'il meure ou pas, c'est juste Osef. Dans le premier, le capitaine, quand elle meurt, tu es en PS parce que le personnage est fort. Non mais le truc, c'est que j'ai très mal joué dans Man of Medan. J'ai très très mal joué. Là, tu vois, j'ai réussi à avoir tout le monde sauf une personne. Donc il y a une personne qui est morte. C'est presque une fin parfaite en fin de compte. La fin donne pas envie de refaire en tout cas. Bah, si on oublie la fin, le jeu est bien. Moi, je vais le refaire parce que je suis curieuse de savoir les autres alternatives que l'on n'a pas exploitées, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que, bon, la fin, c'est clairement pas le GOTY, quoi, tu vois. Franchement, connu mieux comme ça. Mais ouais, c'est vrai que la fin... Coussi coussa. Mais bon. Moi, je pardonne vite dans les jeux vidéo, tu vois. J'ai du mal à me dire, en fait, qu'il est très très mauvais. Puisque pour moi, je le trouve pas très 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 mauvais. Il y a quelque chose qui va pas, c'est la fin. You believe in God? Absolutely not. Alors, est-ce que c'est le prochain? We'll start believing. Ah, mais c'est ça, du coup, l'image. Vous voyez, c'était un teasing pour le prochain Dark Anthology. They say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes. Donc ça, c'est le trailer du prochain. On dust plagued by the demons of the underworld. House of Ashes en 2021. Ah, ça m'énerve parce que je vais devoir encore attendre 2021 et je sais que je suis une pigeonne donc je vais continuer à les faire. Bah, de toute façon, c'est dans un an. Hein. De base, il devait sortir en février, il me semble, celui-là. Mais du coup, il était
Là-bas, il n'est pas sorti en février. Enfin, c'est ce qu'on avait vu au début. On pensait que c'était tous les 6 mois qu'il allait en sortir. Hein. Mais du coup, non. Mais voilà. Ouais, sauf que tu sais que tu joues pas vraiment des personnages qui risquent de mourir. Ouais, mais on va faire comme si. Non, mais... Ok, c'est le moins bon des trois qu'ils ont fait. Parce que je compte aussi Until Dawn dedans, parce que c'est quand même les Wendigo et tout ça, c'est quand même un mythe aussi également. Mais voilà. Par contre, je ne sais pas du tout sur quel mythe va procéder le prochain. J'en parlerai avec d'autres personnes, mais peut-être que... Ouais.